semaine 4. Waouh. C'est ça, non? C'est ça, je crois. changement d'ambiance, parce qu'on est passé, tu as d'une ambiance plutôt Boa Sorte, Cesaria Evora, Gilberto Gil, à Noir Désir, Deep Purple, AC/DC. Après avoir passé Fernando de Noronha la semaine dernière, le vent a tourné, on a pu abattre. On s'est retrouvé à un pré assez débridé, dans des belles conditions de vent, avec 20-25 vents, ce qui nous a permis de commencer à faire de très belles journées à 10 nœuds de moyenne à peu près. Et là, on a commencé à engranger à 230 000 par 24 heures. Là, Penduxis rigole, clairement il rigole. Là, il commence à allonger, à allonger, à allonger. En plus, quand il est long, bah, du coup, il est hyper puissant. Il peut toujours taper dans la vague. Mais en gros, c'est la vague qui a mal, quoi. Lui, il va taper dedans, il va transpercer le truc, et il va passer, et c'est là où c'est impressionnant. À Barré, il est extraordinaire. Donc, il y a un sentiment de puissance, de liberté, de jouissance totale, quoi. Très, très euphorisant. Tout le monde se dispute les quarts de bar. Ça a été des très, très belles journées. L'idée, en fait, c'était vraiment de pouvoir employer le bateau à plus de 100% et toujours, toujours, toujours être dessus et aller le chercher et aller commencer à vraiment tirer dessus. À envoyer des riz, affaler des riz, envoyer trinquettes lourdes, affaler, renvoyer trinquettes légères, affaler, renvoyer trinquettes lourdes, se dire ok, est-ce qu'on a la bonne combinaison de voile ou pas, puis il m'en renvoie un riz, ok, non là c'est trop, là on rafale. La différence elle est très fine entre le bateau qui va être gité, le bateau qui va être vautré, quoi, le bateau qui va tenir et juste le bateau qui va être heureux. Penduxis est un bateau qui est capable d'encaisser et qui est très très dur au mal, donc il va pouvoir rester avec beaucoup beaucoup de toile et ça va tenir. Mais c'est pas parce qu'un bateau tient que forcément tu vas vite. L'idée c'est de toujours réduire. Plus on réduit, plus on va baisser le centre de gravité des voiles, plus on va accélérer. Donc c'est à nous de toujours se dire ok, est-ce qu'on a la bonne combinaison de voiles, est-ce que c'est pas trop, est-ce que c'est pas trop peu, toujours un peu sur le fil. Là on est par 30-33 degrés sud, c'est-à-dire qu'on est quasiment un peu plus que le mi-chemin entre l'équateur et le Cap Horn, donc on se rapproche vraiment du sud. Comme on n'a pas de météo, en fait on a mis à l'aérologie, regarde, enfin, à l'étude des nuages et au baromètre. Donc en fait dès que le baromètre monte, on abat et on suppose qu'il y a un anticyclone quelque part et on essaie de s'en écarter. Et dès que le baromètre descend, on roll off et on se dit avec un peu de chance ça va passer. Alors, le fait marquant de la semaine, les nouvelles de terre ne nous manquent absolument pas, à part la Coupe du Monde de rugby, où là je crois qu'on a tous les résultats de quasiment tous les matchs. Et forcément on attendait très très impatiemment le France-Italie, surtout pour défier nos petits copains de Translate and Nine. On était à deux doigts de se faire le match par BLU. Et maintenant on est à fond parce que le 15 octobre il va y avoir le France-Afrique du Sud. Je pense qu'on sera encore en mer, mais bon c'est pas grave. Allez les bleus, on reste compact, solide sur les appuis.